Bonjour tout le monde, je m'appelle Ghislain. Moi, ça fait plus que 10 ans que je ride en BMX. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le wall ride. Alors, aujourd'hui, comme j'ai parlé, on va voir qu'est-ce que le wall ride. Wall ride, c'est rouler sur un mur avec le bike. Donc, pour commencer, je vais vous demander de commencer à initier sur un mur incliné, mais pas tout à fait à 90 degrés, comme on va voir sur le mur ici. Donc, pour commencer à faire ce truc-là, il faut être capable de faire des bunny hops, parce que sur un Banks, il faut popper avant, rouler sur le mur et popper pour revenir dans la transition. Donc, on va voir ça ensemble sur le petit module ici, en commençant. Donc, comme vous avez remarqué, quand je suis arrivé sur le mur, j'avais une très bonne vitesse, j'avais une bonne angle aussi. Donc, c'est bien important, plus on va aller rapidement, plus ça va adhérer sur le mur. Deuxième point, si on arrive avec le vélo un peu trop en angle comme ça, on va déraper, on va chuter automatiquement. Donc, il faut vraiment avoir une bonne inclinaison pour pouvoir bien coller sur le mur. Donc, part 2. Un wall ride maintenant avec un mur avec 90 degrés et un Banks. La différence avec le Banks incliné qu'on a vu tout à l'heure, il faut rentrer beaucoup plus droit dedans, avoir encore plus de vitesse, suivre la bonne angle et encore là, quand on frappe le mur, il faut bunny hopper pour pouvoir revenir à notre initiation au niveau du Banks qui est en bas. Oh! Fait que, comme on peut voir, si on manque de vitesse, si on arrive puis on a une petite crainte puis on se retient au niveau de notre vitesse, c'est ce qui peut arriver. On arrive sur le mur, ça glisse, on tombe à notre point de départ. Donc, si jamais ça arrive, c'est qu'on rentre pas assez vite dans le module puis on donne un petit peu plus d'angle pour aller de plus en plus loin pour après faire notre bunny hop. Tout devrait bien aller. Ok, donc stage 3, wall ride to transition. La différence qu'on va y retrouver avec un bank, c'est qu'il faut aller plus rapidement. On a un deck avec un coping, donc c'est sûr que c'est plus épeurant à sortir du wall et rentrer dans le coping vu qu'on a une bonne différence au niveau du mur et de la rampe. Faut rentrer quand même assez rapidement et avec une bonne angle. Si on arrive horizontalement, ce qui va arriver, on va glisser comme on a vu tantôt, donc manquer notre coup. Ce qu'on veut, c'est rentrer le plus vite possible, le plus droit possible pour pouvoir ressortir avec un bon bunny hop pour rentrer dans la transition. Donc, je vous montre ça. Donc, comme vous avez vu, quand on arrive sur le mur, on a une bonne hauteur. Donc, la partie suivante, c'est qu'on refait notre bunny hop pour sortir dans la transition. Il faut nose-diver pour avoir la même angle que la rampe. Donc, c'est bien, bien important. Il faut nose-diver. Si on est trop par en arrière, on va atterrir, on va glisser sur le dos, on peut se faire mal. Donc, on pop, on nose-dive pour avoir la même angle dans la transition. Tout l'atterrissage devrait se faire dans le plus smooth possible. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ma capsule. On se voit lundi prochain. Merci.